Merci de m'avoir invité à ces rendez-vous de l'urbanisme à Pau. Alors, pour cette séquence sur la prospective de ville intermédiaire, quels enjeux? Je vais vous proposer quelque chose d'assez simple. Quelques mots sur la prospective et en fait à quoi ça sert. On n'est pas toujours convaincu. Ensuite, je vais vous présenter les quatre scénarios qui avaient été élaborés sur les villes intermédiaires dans le cadre de la démarche prospective Territoire 2040 qui avait été portée par la DATAR en 2010. Donc, c'est la vision des villes intermédiaires en 2010. Alors, tout ça, d'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez creuser, ça a fait l'objet de beaucoup de publications qui malheureusement ne sont plus en ligne, mais si certains veulent des exemplaires papier, vous pourrez nous demander parce qu'il nous en reste. Et en plus, on va déménager, donc ça nous rendra service si vous voulez en prendre. Et puis pour finir, quelques questions sur cette prospective des villes intermédiaires ou des villes moyennes, enfin, j'y reviendrai, qui pourront lancer nos échanges. Et en fait, je vais un peu vous livrer les questions que nous, on se pose aujourd'hui en termes de prospective sur ces villes intermédiaires. Alors, quelques mots d'abord pour vous expliquer d'où je parle et quelques mots donc, sur le CGET, donc le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Donc, c'est une structure jeune qui a été créée en 2014 et qui est issue de la fusion de trois autres structures, donc la DATAR et deux autres structures qui œuvraient en faveur de la politique de la ville, donc l'ACCÉ, l'agence de la cohésion, je ne sais même plus ce que ça veut dire. Bref, c'est ceux qui donnaient des subventions aux associations et puis le SGCIV, donc lui qui était vraiment l'organe de pilotage national des contrats de ville. Donc tout ça a fusionné pour rassembler en fait les structures qui œuvrent directement en faveur des territoires. Et actuellement, le CGET, c'est à peu près 300 personnes réparties dans trois directions. Donc il y a une direction politique de la ville qui met en œuvre la politique de la ville. Il y a une direction qui met en œuvre, on va dire, la politique d'aménagement du territoire, ruralité, développement économique. Et ma direction, qui s'appelle la direction des stratégies territoriales, qui est une direction qui est en appui des deux autres et qui regroupe toutes les fonctions, on va dire, d'observation, de connaissance, donc de prospective, d'évaluation. Et d'innovation. Donc nous, on est en amont et on est sur la conception des politiques publiques à l'appui des deux autres directions. Et j'en profite pour vous présenter les excuses de Stéphane Cordobès, donc, qui est le responsable du Bureau de la prospective et des études, qui a piloté Territoire 2040, mais qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, puisque pour tout vous dire, il est parti un peu de façon précipitée pour une mission en Polynésie, une mission entre l'État français et l'État polynésien pour aider l'État polynésien à élaborer l'équivalent de son SRADET, donc dans son schéma d'aménagement du territoire. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas forcément évident l'aménagement du territoire de la Polynésie. Voilà. Donc pour commencer, quelques mots sur la prospective. Et j'ai essayé de... il ne veut pas... c'est pas grave. Alors, voilà. J'ai essayé de faire ça de façon un peu imagée. Alors, ces petites images, elles ne sont pas du CGET. Hein. C'est une agence de conseil d'urbanisme qui est basée à Bordeaux pour parler du futur, en fait. Et je vous ai mis la petite phrase qu'on entend souvent... nous-mêmes, hein, on ne va pas encore payer une étude stratosphérique qui ne sert à rien, qui n'est pas pragmatique. Et en gros, voilà tout ça à quoi ça sert. Alors, vous avez là des petites images sur qu'est-ce qu'on peut s'imaginer d'un peu fou sur le futur. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire deux choses sur le futur, c'est que d'une part, il n'est pas déterminé, et d'autre part, il ne sort pas du néant.
Donc, ça veut dire que la prospective territoriale, c'est imaginer des futurs en analysant le passé et le présent. Et comment on fait ? Ben, on ne fait pas que juste imaginer des scénarios dans nos têtes. Il y a une méthodologie précise. Donc, avant tout, on essaye de retracer les trajectoires des territoires. Donc là, c'est le côté rétrospectif. On analyse les représentations et les idées reçues. On analyse le jeu d'acteurs et son évolution. On identifie les tendances lourdes, les signaux faibles, les grandes ruptures. Et puis, on élabore des scénarios à partir de tout ça. Alors, vous allez me dire, c'est bien, c'est sympathique. À quoi ça sert ? Ben, ça sert à agir. Parce que finalement, ce qui est important, ce n'est pas tant les scénarios. Les scénarios, ça va vous donner des images volontairement un petit peu extrêmes, un petit peu... ça force le trait, hein, les scénarios. Mais ce qui est intéressant, c'est de chercher derrière les enjeux. Quels sont les enjeux stratégiques qu'il y a derrière ? Parce que c'est ça qui va servir à l'action. Donc, ça veut dire que si on identifie tels et tels enjeux en tant qu'élu, en tant que praticien, ça veut dire que si je veux emmener mon territoire vers tel scénario, vers tel chemin dans l'avenir, il va falloir que j'agisse sur tels enjeux. Inversement, si je veux éviter ce scénario-là, il va falloir que j'agisse sur tels enjeux. Donc, ce qui est important, c'est les enjeux stratégiques qu'il y a derrière les scénarios. Et une fois qu'on a identifié ça, c'est le passage de la prospective à l'action, puisque on a notre scénario, donc notre objectif, on a les enjeux stratégiques qu'il y a derrière, donc on peut identifier, enfin construire sa stratégie, et de la stratégie découlent les actions. Donc tout ça pour vous dire aussi que la prospective, c'est éminemment politique. Les scénarios, c'est des outils d'aide à la décision à long terme. Et le but, c'est ce qu'il y a écrit là, c'est de maîtriser l'incertain, le futur c'est l'incertain, et de réduire les inquiétudes. Donc c'est un outil qui est particulièrement précieux dans les moments, et les contextes où il y a beaucoup de changements, beaucoup de ruptures, beaucoup d'incertitudes, d'anxiété dans nos territoires. Et pour reprendre une des phrases qu'il y a dans les publications de Territoire 2040, il y en a beaucoup, hein, il y en a, je pense, il y a une dizaine de volumes, mais on ne fait pas de prospective seulement pour le plaisir de réfléchir et de connaître, parce que c'est vrai que c'est, on peut se dire, c'est assez amusant, mais c'est surtout pour agir et œuvrer à la construction effective du futur. Donc tout ça pour vous dire que la prospective, c'est sérieux et c'est utile. Alors, passons dans le vif du sujet, et donc les scénarios des villes intermédiaires, donc scénarios élaborés en 2010 sur les villes intermédiaires en 2040. Voilà, donc là on est en 2017-2018, il s'est passé 10 ans. Alors je vous dis ça parce que... il y a peut-être des choses en fait qui vont vous paraître déjà un petit peu dépassées. C'est pas si vieux, mais moi-même il y a des choses que je trouve un petit peu curieuses. Donc quelques mots sur Territoire 2040. Donc c'est une démarche de prospective à l'échelle nationale qui a été lancée donc en 2010 par la DATAR. Et il y avait deux postulats de base. Ce sont les territoires qui sont les opérateurs du changement. Donc chaque territoire a des capacités, a des ressources endogènes pour construire le changement et non le subir. Et ces territoires, ils fonctionnent pas comme des îles, hein, ils sont connectés les uns des autres et ils forment des systèmes spatiaux. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas appréhender un territoire sans tenir compte de ses relations avec les autres territoires. Donc, par exemple, ça c'est la carte des villes intermédiaires. Donc, vous voyez derrière les villes tous les traits gris. En fait, c'est ces fameux systèmes spatiaux et c'est les interrelations entre les villes.
Et puis, tous les scénarios, ils ont été basés à partir d'un certain nombre de facteurs de changement. Donc, tout ça, ça a été identifié par des experts, des scientifiques à l'échelle nationale. Donc, 12 grands facteurs de changement qui impactent tous les territoires. Donc, pas tous vous les citer, mais il y a des choses assez évidentes, hein. Le vieillissement de la population, par exemple, les flux migratoires internationaux. Il y avait déjà une question qu'on entend beaucoup en ce moment, par exemple, les questions d'alimentation, de besoins alimentaires, comment y répondre, l'évolution des modes de consommation, enfin voilà, toutes ces grandes tendances qui impactent tous les territoires. Et puis, donc je vous disais, ça a été élaboré par des experts, des scientifiques, des chercheurs au niveau national. Et les scénarios ont été présentés dans des séminaires locaux à tout type d'acteurs, hein, donc un public beaucoup plus large. Donc j'y reviendrai à la fin. Alors, sur le sujet ville intermédiaire, alors d'ailleurs vous avez pris le terme ville intermédiaire pour vos rendez-vous de l'urbanisme. C'était le terme aussi de Territoire 2040, c'était ville intermédiaire, alors que souvent, on entend le fameux terme ville moyenne, qui n'est pas très très heureux, mais bon, c'est le thème le plus courant. Alors, comment on définit les villes moyennes et comment on entendait aussi les villes intermédiaires dans Territoire 2040? Alors, très classiquement, hein, la ville moyenne, elle est définie par un critère de taille, un critère de fonction. Donc, généralement, c'est des villes de 20 à 100 000 habitants qui ont des fonctions de centralité. Donc, en France, c'est les préfectures, les sous-préfectures. Alors, une autre façon de les définir, c'est les villes qui constituent le deuxième niveau de l'armature urbaine de la France. Donc, le premier niveau étant les grandes villes et les métropoles. Et le deuxième niveau, ce sont les villes moyennes. Ça, c'est extrêmement important pour l'armature urbaine de la France. On a un pays qui est vraiment organisé autour de ces villes moyennes. C'est pas du tout le cas dans... Alors, c'est le cas aussi en Italie, par exemple, mais c'est pas si souvent le cas quand on regarde les armatures urbaines de quels que soient les pays, hein, qu'il y a un tel maillage de villes moyennes. Alors, il y a une autre façon de définir ces villes moyennes, c'est aussi les villes qui n'ont pas tous les aspects des métropoles. Donc, c'est vrai qu'elles n'ont pas certaines fonctions, elles n'ont pas le même niveau de connexion internationale que les métropoles, elles n'ont pas non plus tous les équipements qui font le rayonnement des métropoles. Une autre façon de les définir, c'est que c'est l'avantage du rural et de l'urbain sans les inconvénients du rural et de l'urbain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les avantages de l'urbain, c'est que ces villes-là, elles ont un très bon niveau d'équipement, de services. Elles rayonnent sur leur bassin de vie. Mais elles n'ont pas les inconvénients de l'urbain, c'est-à-dire la congestion, la pollution, la densité, etc. Et elles ont les avantages du rural parce que c'est l'accès très rapide à des espaces de loisirs, à des espaces de forêt, enfin, à l'agriculture, mais aussi à toutes ces ressources que peuvent apporter les bassins de vie, ces territoires. On verra dans un des scénarios, ça revient, mais voilà, c'est aussi l'accès à la ressource en eau beaucoup plus sûre que finalement les grandes villes qui sont éloignées, par exemple, des bassins d'eau. Et puis, une autre définition, et en fait, mais toutes ces définitions se recoupent, hein. C'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de définition, il n'y a toujours pas de définition des villes moyennes nulle part, mais la définition qu'avait pris Territoire 2040, c'est un mélange entre la polarité et la connexion. Donc la polarité d'une ville moyenne, c'est plus que la centralité, la polarité, c'est vraiment la capacité à donc polariser un espace beaucoup plus large que son centre-ville, quoi.
Donc c'est un peu exprimé là avec ces, je ne sais pas d'ailleurs comment on peut, enfin ces nuages de points en fait hein, sur chaque ville, c'est un peu le niveau de polarité de la ville sur son bassin de vie. Et puis la connexion, c'est bien cette fonction spécifique des villes moyennes que n'ont pas des plus petites villes, c'est qu'une ville moyenne, elle va pouvoir permettre la connexion à d'autres villes moyennes, à des grandes villes, à des métropoles, et donc ainsi de suite à une multitude d'échelles. Donc vous avez là la carte qui avait été confectionnée pour Territoire 2040, et ils avaient fait une typologie. Je vous ai mis la légende après, mais c'est pas très pratique. Mais en gros, commençons par Pau. Donc vous êtes là. Donc les bleus foncés, donc c'était des villes moyennes dans la typologie qui était considérée tertiarisée. Il y avait les villes moyennes transfrontalières. Donc forcément, hein, vous en avez là. Dans l'Est, par exemple, et puis près de l'Italie. Les villes moyennes littorales, donc en orange, vous les voyez facilement. Les villes moyennes d'orientation rurale, donc c'est les vertes. Les bleus clairs, c'est les villes moyennes à profil industriel. Donc finalement, vous voyez, on a beaucoup, hein, les villes moyennes à profil industriel. Et puis les violets, c'est les périmétropolitaine, donc ville qu'on considère dans l'influence des métropoles. Voilà. Donc vous aurez la légende là après, et vous voyez comment a été construite la carte. Donc celle d'en haut, c'est la polarité, et celle d'en bas, c'est la connexion. Et voilà. Et Territoire 2040 a aussi veillé donc à considérer ces villes intermédiaires comme un tout, parce que c'est une réalité de la France, mais aussi en raisonnant, en ayant tout à fait conscience que toutes les villes intermédiaires sont pas pareilles et ont forcément des trajectoires différentes. Même si on prenait que les villes à profil industriel, derrière ça, il y a des histoires différentes, il y a des géographies différentes, il y a des acteurs différents, donc ça va évoluer différemment. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que tout est toujours très ouvert. Voilà, donc quelques mots pour vous expliquer comment ont été élaborés les scénarios. Donc je vous ai dit tout à l'heure que pour tous les scénarios de Territoire 2040, parce que bien sûr il n'y en a pas eu que sur les villes intermédiaires, hein. Il y a eu des scénarios sur les métropoles, il y a eu des scénarios sur les territoires désindustrialisés, etc., etc. Là je vous présente que ceux sur les villes intermédiaires. Donc il y a eu 12 grands facteurs de changement qui ont été identifiés. Donc là ils sont regroupés en 3 blocs: espace et société, fonction activité, acteurs et organisation. Et en fait il y a eu un premier exercice à chaque fois pour se dire ces facteurs de changement, quels impacts spécifiques ils ont ici sur les villes intermédiaires, mais le même exercice a été fait sur les métropoles, etc., etc. Donc ça c'était le premier niveau de raisonnement, c'est de dire il y a des facteurs de changement qui impactent tous les territoires, mais ils vont impacter spécifiquement, ils vont avoir une traduction différente sur ici les villes intermédiaires. Alors, le vocabulaire de Territoire 2040 n'est pas toujours très... c'est très scientifique, en fait, donc c'est pas... voilà. Donc, il y a des choses, des fois, qui sont un peu compliquées. Donc, je vous les ai mises là. Et puis, après, le travail de ces experts et de ces chercheurs, ça a été, finalement, de mélanger tout ça et de faire 4 scénarios. Alors, 2 points importants, je vous le disais tout à l'heure, les scénarios, ils forcent volontairement le trait. Un scénario, c'est pas une stratégie, c'est pas ce qu'on va faire, c'est une image de ce que le territoire peut devenir. D'où le côté excessif, parce que le but du jeu, des scénarios, c'est d'avoir des choses très différentes.
Alors, je dis ça parce qu'en général, les scénarios, on se dit, bah, c'est le scénario au fil de l'eau, le scénario du pire, le, voilà. Là, on n'est pas dans cette conception-là, on est vraiment sur des images d'avenir totalement différentes. Et deuxième point important, c'est qu'il n'y a pas un scénario qui est mieux qu'un autre, qui est bien ou mal. C'est des options à partir desquelles les représentants politiques peuvent se positionner pour eux-mêmes choisir les orientations qu'ils vont donner à leur territoire. Alors, on y vient, les fameux scénarios qui ont été illustrés, on va dire, par ce qu'on appelle des corèmes, hein, en géographie. Voilà. Donc, je vais vous les présenter un par un. En simplifiant, parce que comme je vous disais, c'est assez scientifique en fait le vocabulaire de Territoire 2040, et j'y reviendrai plus tard parce que c'est aussi une de ses limites. Alors, le premier scénario, il s'appelle les communautés incertaines. Alors, le contexte, c'est qu'on est dans une période où il y a eu une hausse très forte des coûts de communication. Alors, par coût de communication, à l'époque, c'était la hausse du coût du pétrole. Une croissance qui est mise à mal, et puis bah, forcément, impact direct sur les transports, l'accès aux biens alimentaires et manufacturés, l'accès aux services, etc., etc. La conséquence, c'est que les groupes sociaux les plus aisés, ben, ils sont faiblement touchés. Par contre, les classes populaires, elles sont directement impactées par le renchérissement des denrées de base. Alors, quelle est la traduction spatiale de tout ça? C'est qu'on a des classes populaires qui vivent dans les zones les moins accessibles et les plus dégradées. Et puis, parallèlement, il y a un retrait des services publics. Donc, qu'est-ce que font les populations? Elles s'entraident. Donc, on a des formes d'entraide qui se mettent en place, mais qui se mettent en place au sein de chaque groupe social. Et ça entraîne un renforcement des communautés, des raisonnements communautaires. Et la traduction spatiale de tout ça, c'est que, pour faire simple, on a des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Donc, une accentuation des différenciations socio-spatiales. Donc, vous l'avez résumé là autrement, hein, il y a ces petites fiches pour chaque scénario. Donc, vous voyez où vit-on, quartier, commune très typée socialement. Ça, c'est vraiment le scénario du communautarisme en fait. De quoi vit-on? Ben, voilà, rente de situation. Ou transfert public, donc riche, riche, pauvre. Les échanges, donc ça c'est ce que je disais sur le côté forme d'entraide, peu d'intervention publique et donc des risques d'émeutes sociales. Et qu'est-ce qu'on a en fait? Je vous disais, ce qui est important, c'est les enjeux stratégiques qu'il y a derrière. Donc mobilité. En fait, le terme mobilité, c'était le côté, si on veut éviter ces ghettos, faut favoriser la mobilité, c'est-à-dire aider les gens à circuler le plus possible, en fait. Donc, c'est ça l'enjeu. Donc, mobilité en termes de transport, mais aussi mobilité sociale, mobilité culturelle. Urbanisme, espace public, c'est parce que ce qu'on se disait, c'est que il faut que l'espace public permette aussi ce croisement des populations. Donc, c'est éviter le phénomène vous savez, les cités fermées, là, les cités de riches fermées avec leur grillage, et faire en sorte que l'espace public y permette les échanges. Et puis, valeur et socle commun des habitants, là aussi, c'était pour éviter l'excès de communautarisme, parce que c'est pas non plus. On peut tout à fait accepter le communautarisme, mais l'excès de communautarisme, il faut arriver à poser des valeurs communes, un socle commun
à tous les habitants. Et ça, c'est le rôle du politique. Donc voilà pour le premier scénario. Le deuxième scénario, rien à voir, s'appelle les laboratoires verts. Donc là, on est dans un contexte d'impératif écologique. Là, on n'a plus du tout le choix. Il faut passer à une société beaucoup plus sobre. Donc là aussi, impact sur les transports, l'habitat, l'urbanisme, les approvisionnements, etc. Alors, il se trouve que les métropoles, elles sont très innovantes, mais elles ont un problème de taille. Elles ont du mal à se coordonner avec leur périphérie parce que chaque couronne en fait, est en train de développer sa propre politique. Par contre, nos villes intermédiaires, elles s'en sortent très bien parce que du fait de leur taille, elles arrivent à organiser un fonctionnement très sobre et quasi autonome, en fait, totalement endogène. Elles polarisent leur territoire environnant et elles organisent de façon très efficace les flux entrants, sortants, le réemploi des biens usagés, le recyclage des déchets, l'approvisionnement en eau, etc., etc. Alors, sauf que toutes les villes n'y arrivent pas, mais du coup, les villes qui y arrivent, elles deviennent très attractives, presque trop attractives. Donc, il y a un afflux de population. Sauf que quand on est dans un système comme ça, très endogène, très autonome, le risque, c'est que ça ne fonctionne plus si on a un maillon de la chaîne qui change. Donc, un excès de population, ça risque de casser, en fait, de déstabiliser l'autonomie du système. Donc, il y a des villes qui refusent les nouveaux arrivants, ou alors elles choisissent de restreindre leur périmètre géographique pour ne pas déstabiliser l'autonomie du système. Donc, ça veut dire qu'elles refusent de s'étendre. Et le terme laboratoire, il a été choisi parce que tout ça suppose beaucoup d'innovations technologiques et organisationnelles. Donc, vous voyez, là par contre, où vit-on ? On peut vivre un peu n'importe où. Donc sur les activités, on est sur une nouvelle forme d'activité, donc sobriété et puis multi-activité dans chaque foyer. Donc on est sur tout ce qui est un circuit court et compagnie. Ce qui est un peu original dans ce scénario-là, c'est le cadre supernational drastique. Donc on était sur l'Europe qui pose des cadres très durs en termes de sobriété énergétique, environnementale, etc. Donc équilibre fragile, vous voyez, parce que ça c'est le côté fonctionnement très autonome, donc il faut qu'on reste même périmètre, faut pas changer trop de paramètres. Et les enjeux majeurs, évidemment c'est la maîtrise et la gestion du foncier, puisque si on est sur des circuits courts, l'approvisionnement en eau, la gestion des déchets, faut avoir une totale maîtrise et une totale gestion de son foncier. Les compétences et les savoirs, ça c'est le côté laboratoire, innovation technique, innovation organisationnelle. Il faut former, il faut innover, donc on mise beaucoup sur les ressources humaines, donc sur les personnes. Et puis, toujours sur cette question de foncier, c'est les risques de concurrence d'usage pour l'appropriation de l'espace. Donc voilà pour le deuxième scénario. Troisième scénario, les spécialités en concurrence. Donc là, on change encore de contexte. Là, c'est la France qui a connu beaucoup de délocalisations. Et en fait, en termes d'activité industrielle, ce qui reste en France, c'est les produits de haute technologie qui sont liés à la défense et le secteur du luxe. Tout le reste est parti dans les pays du Sud. Et face à ça, il y a des territoires qui se spécialisent, qui essayent de trouver des niches sur des segments de marché qui, justement, échappent à la division traditionnelle du travail à l'échelle mondiale. Donc, ça crée... la France sort de la concurrence nord-sud
Par contre, on est en pleine concurrence entre les territoires en matière économique. Donc le but pour un territoire dans cette concurrence, c'est de devenir le leader sur un produit en contrôlant toutes les étapes, c'est-à-dire la conception, la fabrication, l'image et la circulation. Alors là aussi, en termes de traduction spatiale, ça veut dire qu'il y a des territoires qui réussissent, mais il y a aussi des territoires qui ne réussissent pas. Et les territoires qui ne réussissent pas, eh ben, ils deviennent soit des zones abandonnées, en fait, soit ils se mettent au service de territoires plus puissants. Donc ils acceptent en fait de perdre leur autonomie. Et tout ça entraîne des crises économiques et sociales. Alors là, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce scénario? Ce qui est important, ce qui ressort beaucoup, c'est pas plus important, mais la gouvernance locale, vous voyez, là, c'est efficacité de la production, peu de régulation de l'ensemble, peu de régulation nationale, c'est la concurrence totalement ouverte. Qu'est-ce qu'on craint, qu'est-ce qu'on espère? Bah, on craint pour son emploi. Donc là, on est dans les conditions de travail les plus flexibles et insécures possibles. Et les enjeux majeurs, à nouveau, c'est le capital humain, les compétences, les savoir-faire, parce que c'est ça, en fait, qui fait la différence pour devenir un territoire leader en termes de niche économique. Et c'est les connexions, parce que si on devient leader et qu'on veut assurer toutes les étapes de production, il faut aussi assurer les échanges et du coup, faut être connecté à l'échelle mondiale. Et puis le dernier scénario, donc les satellites interconnectés. Alors là, le contexte, c'est que... on ne parlait pas de transition écologique et énergétique à l'époque, on était sur la conversion vers le développement durable. Donc là, c'est les métropoles, c'est le scénario des métropoles, en fait. Donc les métropoles ont réussi la conversion vers le développement durable. Donc c'est les métropoles qui contrôlent l'économie, mais elles ne produisent plus. Donc c'est elles qui organisent tout, mais elles ne produisent pas. Et en fait, la production, elle a lieu dans nos villes intermédiaires. Donc, les métropoles ne peuvent pas vivre sans les villes intermédiaires. Les villes intermédiaires ne peuvent pas vivre sans les métropoles non plus. Tout ça suppose des réseaux de communication très efficaces entre les villes intermédiaires et les métropoles. Et du coup, entre les villes intermédiaires elles-mêmes, ce qui permet à des villes intermédiaires de s'associer, de s'organiser aussi pour coopérer, pour s'auto-renforcer, pour peser davantage. Mais ça veut dire que sur le reste du territoire, on a fait le choix de ne plus desservir les autres territoires. Donc on a tout misé sur les connexions métropole-ville intermédiaire, mais le reste, on a totalement abandonné. Donc il y a des territoires qui sont totalement délaissés. Donc deux impacts pour les villes intermédiaires. Elles dépendent des donneurs d'ordre métropolitains, mais aussi de donneurs d'ordre beaucoup plus lointains, parce qu'elles sont au niveau de production. Ça passe, on va dire, par les métropoles, mais les métropoles les assurent les échanges à l'international. Donc, les villes intermédiaires, elles n'ont pas vraiment de prise directe sur leurs donneurs d'ordre. Et puis, elles sont coupées de leur arrière-pays, parce que Les territoires avec lesquels elles communiquent, c'est les métropoles. Ce qu'il y a autour, les bassins de vie, finalement, ça ne les regarde plus. Du coup, comme je vous disais, comme on a abandonné les efforts de connexion des autres territoires et les villes intermédiaires abandonnent leur arrière-pays, donc on a des espaces de faible densité qui décroissent de façon inéluctable et qui sont quasi abandonnés. Donc, vous imaginez, pour un pays comme la France, on passe vraiment à un autre monde, là. Et du coup, les enjeux majeurs, c'est les coopérations interterritoriales, puisque c'est la coopération entre villes intermédiaires et métropoles, mais aussi entre villes intermédiaires.
Et c'est cette question de la gestion des espaces de faible densité. Et vous voyez là, le rôle de l'État, bah, finalement, il est très en retrait. Il assure les connexions efficaces métropole-ville intermédiaire, mais finalement, c'est voilà, le gouvernement des villes, c'est le gouvernement même des métropoles qui organise un petit peu tout. Donc voilà pour les quatre scénarios. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous on retire de tout ça, d'abord sur la prospective en général. Ça c'est pour vous dire qu'en fait on ne refera pas la prospective de la même manière. Parce que le souci de territoire 2040, c'est que c'est un exercice savant, scientifique. Là je voulais retravailler pour que ce soit appropriable. Le souci, c'est que ça n'a pas été approprié, parce que c'est resté un exercice de niveau national qui a été présenté à des acteurs locaux, qui a été souvent agréablement accueilli et qu'on a trouvé intéressant, mais il n'y a pas eu cette phase d'appropriation. Donc nous, on sait qu'on ne le referait pas de la même manière, et d'ailleurs, on relance un exercice de prospective, mais cette fois-ci qui partira des territoires. Donc on va lancer, on a appelé ça des fabriques de prospective, mais on va lancer différentes fabriques sur différents sujets, mais avec des groupes de territoires volontaires sur l'ensemble de la France pour construire finalement la prospective avec les territoires plutôt que d'avoir un truc très scientifique et un peu trop descendant. Voilà. Donc on sort de la prospective par le haut. Et dans ce cadre-là, quelles questions on se pose, nous, désormais, sur les villes moyennes ou les villes intermédiaires? Alors, c'est là aussi, hein, c'est peut-être un peu provocant comme question, mais on est là dans un contexte où, quand on parle de villes moyennes, on parle de crise des centres-villes. C'est le sujet qui ressort toujours, qui n'est pas faux, mais qui pour nous monopolise un peu les questionnements. Surtout, comme je disais au début, les villes moyennes, elles sont très différentes et elles ne sont pas toutes en crise. Il y en a qui sont très bien, qui vont très bien, dont on ne parle jamais. Puis il y en a qui ont d'autres problèmes que la crise de leur centre-ville, qui par exemple va être plus un problème de développement économique. Nous, le questionnement qu'on se pose désormais, c'est que est-ce qu'il ne faut pas réfléchir ces questions de centralité autrement? Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le centre-ville traditionnel, mais ça veut dire qu'on va plus raisonner en termes de multipolarité à l'échelle d'une ville et de son agglo, différents centres finalement, plutôt que de toujours raisonner avec le centre-ville traditionnel. Parce que la société, elle a changé, tout a changé, l'action publique a changé, on a des territoires qui s'organisent différemment. On est passé dans une société d'hypermobilité, de développement du numérique qui a un impact très concret en fait en termes d'organisation des territoires, et du coup, il faut peut-être réfléchir différemment ces questions de centralité et de polarité. Deuxième question, je vous disais, sur nos villes moyennes, qu'on avait un peu hein, sur la carte, hein, là, sur les villes à profil industriel, c'est que, en particulier, hein, vous voyez là, dans l'Est, le Nord, finalement, ça fait des années qu'on développe des politiques de reconversion économique. Vous retrouvez là les bassins miniers, enfin, les territoires aussi qui ont perdu, enfin, qui ont été impactés par les départs de services publics. Je pense notamment ceux qui ont perdu beaucoup d'installations de l'armée. Et finalement, là, ces reconversions, elles prennent forcément beaucoup de temps. Donc, il ne faut pas tirer des bilans en disant il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on voit que ces reconversions-là, elles sont difficiles. Et finalement, là aussi, est-ce que ces territoires désindustrialisés, il faut se poser la question de leur reconversion
forcément en termes de reconversion économique, puisqu'à chaque fois on a essayé de recréer de l'activité économique, est-ce qu'il ne faut pas les amener vers un autre mode de développement et qui soit peut-être moins orienté sur de l'économie lourde, de l'industrie. Peut-être qu'il y a d'autres moteurs de développement. En fait, jusqu'à maintenant, on a essayé de... On a une industrie qui est partie, on essaye d'en remettre une autre. Ben, ça ne marche pas toujours, en fait. Autre questionnement, alors là, qui est très actuel, hein, et qui est très lié aux différentes réformes, hein, qu'on a tous connues ces dernières années. On a des territoires, finalement, qui se retrouvent vous êtes dedans, hein, dans des très grandes régions. Alors, en plus, les très grandes régions, elles ont des configurations très différentes. Nouvelle-Aquitaine, finalement, vous avez une métropole. On a des grandes régions où on se retrouve avec... alors, Grand Est, on a aussi une métropole, mais on a des régions qui n'ont pas changé de périmètre. Et je pense à la région Centre, on se retrouve avec deux métropoles maintenant. Donc, bon, est-ce que tout ça a du sens? J'en sais rien, mais bon, les métropoles ont des nouvelles compétences, et en fait, c'est ça qui va impacter les choses. Et puis, on a des régions qui doivent gérer des périmètres beaucoup plus grands. On a des EPCI qui sont élargis, avec aussi des nouvelles compétences. Et en fait, on a plusieurs territoires, enfin, des territoires qui nous ont contactés, qui se disent c'est le moment ou jamais pour se repositionner, pour se trouver un nouveau, pour profiter de ce moment de changement, pour trouver un nouveau positionnement à notre territoire. Et il y a pas mal de villes intermédiaires en fait qui se trouvent dans cette situation-là, là, de villes intermédiaires ou de grandes villes. Par exemple, je pense à Limoges, qui a perdu son statut de capitale régionale. Et qui est un peu dans cet entre-deux, qui ne veut pas vivre ça non plus comme une perte, on a été déclassé, mais qui se dit, vu la situation, autant réfléchir autrement à notre avenir et se construire un nouveau positionnement à cette échelle Nouvelle-Aquitaine, alors que j'étais la capitale du Limousin. Donc voilà quelques questions qu'on se pose, nous, sur cet avenir des villes intermédiaires. Et puis, pour en ajouter une couche, je vous dirais, là, je sors même de la prospective. C'est aussi de la prospective, mais bon. On peut aussi se poser la question, finalement, est-ce qu'il faut une politique spécifique aux villes moyennes ou aux villes intermédiaires, comme on fait des politiques spécifiques pour les métropoles? Est-ce que tout ça a encore un sens? Si vous regardez, là, on se retrouve avec 22 métropoles. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de commun à ces métropoles, à part les compétences qu'elles ont gagnées? Mais les territoires en eux-mêmes, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Marseille et Tours? Pas tout à fait sur les mêmes enjeux, quand même. Mais on peut dire la même chose sur toutes ces catégories de territoires qu'on a créées jusqu'à maintenant. Je vous disais, le point commun des villes moyennes, des villes intermédiaires, c'est ce maillage de la France, ce second niveau de l'armature urbaine française. Mais en réalité, vous l'avez là, on a des profils très différents, on a des trajectoires très différentes. Et puis, on raisonne aussi avec une nouvelle typologie, on va dire, qui est en gros... il y a les villes moyennes proches des métropoles, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont influencées par les métropoles, elles sont proches des métropoles. Il y en a qui, pour faire simple, il y en a qui subissent et il y en a qui profitent très largement de ce positionnement. On a des villes moyennes qui sont un peu isolées de tous ces systèmes spatiaux ou systèmes urbains. Alors je pense par exemple à... deux villes, Châteauroux et Chartres. Alors Chartres est dans l'influence de Paris, mais si on retire ça, Châteauroux, vous voyez, elle est un peu isolée, elle n'a pas trop de relations. Vous voyez là une relation avec Bourges, mais c'est tout. Mais par contre, elle polarise totalement son département. Mais elle n'est pas connectée aux autres territoires. Et sauf qu'on sait maintenant que le développement de n'importe quel territoire, c'est la connexion aux autres territoires. Donc ça pose question.
De même, Clermont est un peu isolée, en fait. C'est des villes qui polarisent leur espace, mais qui ne sont pas interconnectées. Alors que Chartres polarise son espace, mais est totalement interconnectée, parce que voilà, elle a l'accès direct à Paris, Évreux, etc., etc. Donc ça, c'est un second positionnement. Et puis, on a les villes qui sont, alors je vais prendre pour faire très simple, Boulogne, Calais et compagnie, là, sur le littoral. Là, on a des villes qui sont, des villes moyennes qui sont reliées entre elles. Et là, on a toutes les situations. On peut créer de la complémentarité, mais on peut aussi, enfin, d'ailleurs, c'est les deux en même temps, en général, hein, c'est jamais simple. Il y a aussi énormément de concurrence. Donc, pour nous, il y a ce raisonnement à avoir maintenant, parce qu'on sait très bien que, en gros, les territoires qui s'en sortent, pas qu'en France, hein, partout, c'est les territoires qui sont connectés aux autres et qui arrivent, même quand ils sont dans un système de concurrence, à créer aussi des alliances entre eux selon les besoins. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut une politique spécifique à des villes moyennes? Est-ce qu'il faut maintenant raisonner plutôt les politiques, non pas par catégorie de territoire, mais par grand territoire? Finalement, ça aurait peut-être plus de sens, si je prends pour Pau, bah, que l'État ou la région se disent, finalement, il y a une dynamique spécifique, là, un grand territoire autour des Pyrénées, et on fait une politique sur ce grand territoire, avec les villes moyennes, les petites villes qui sont concernées. On pourrait raisonner aussi à l'échelle des grands axes, par exemple la vallée de la Seine, et réfléchir à la politique d'aménagement du territoire de cette manière-là. Ce serait une autre façon de faire. Et puis dans tout ça, et là c'est lié aussi aux lois récentes, hein, c'est quel est le rôle de l'État, quels sont les rôles des régions. Les régions ont des compétences renforcées en aménagement du territoire. Elles sont plus proches que l'État des territoires. Et du coup, nous, État, si on revient à cette question des villes intermédiaires, comment on doit aider les villes intermédiaires? Est-ce que c'est pertinent de nos jours que ce soit l'État qui lance une grande politique en faveur des villes intermédiaires? Après tout, les régions, elles sont beaucoup mieux placées dans le sens où elles connaissent mieux les territoires. Alors, est-ce que ça veut dire que l'État doit aider que les villes intermédiaires les plus fragiles, les plus en difficulté, on va dire, pour mettre le paquet dessus? Ou est-ce que l'État doit plutôt axer sur les territoires les plus dynamiques, parce que finalement, c'est aussi ça qui fera la croissance du pays, etc., etc. Donc, j'en sais rien, hein, je sais pas, c'est pas moi qui choisis de toute façon. Mais en tout cas, nous, c'est des questions qu'on se pose sur ces politiques. Et voilà, comme je vous disais, de toute façon, c'est pas moi qui choisis, mais le ministre réfléchit actuellement sur ces questions de ville moyenne. Et logiquement, il y aura des annonces à la fin de l'année, à la prochaine conférence nationale des territoires, donc en décembre, sur la question des villes moyennes, puisque au discours du président de la République qui a introduit la conférence nationale des territoires, l'accent a particulièrement été mis sur les villes moyennes, considérant que le gouvernement précédent avait mis l'accent sur les ruralités et les métropoles. Donc la priorité, on va dire, en termes d'aménagement du territoire, c'est les villes moyennes. Donc, tout ça pour vous dire qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Voilà sur ce que j'avais à vous dire.